Je vous remercie. Ce qui est clair, c'est que le constat, il est là. Nous sommes au niveau des DAC, les domaines agricoles communautaires, communément appelés DAC. On nous annonce un investissement de 6 milliards. Regardez devant, ce que vous voyez là, et c'est 25 hectares. Et il y a du maïs. Et comme vous venez de le constater, nous avons deux pivots qui servent un tout petit peu pour l'arrosage de manière automatique. Et derrière là, vous avez, disons, une demi-douzaine de cuivres. Et c'est ça l'investissement de 6 milliards. Moi, je me demande véritablement où sont d'abord les 400 emplois dont on nous dit des jeunes de la zone ont été recrutés. Regardez et vous allez constater vous-même, est-ce qu'autour de nous, vous avez, disons, 20 personnes? Alors, je crois que ces gens nous doivent des explications. Ils doivent expliquer aux Sénégalais comment notre argent a été dépensé pour cet investissement dont on annonce 6 milliards de francs CFA. Certainement, le ministre ou cette ministre de la Jeunesse, Fatoumata Tall, qui a été félicitée. Moi, je me dis bien, si c'est cette médiocrité qui est félicitée, où va véritablement ce pays, où va le Sénégal? Ça, c'est un investissement, oui, mais quand même 6 milliards pour ces deux domaines que vous venez de visiter avec moi, je crois que ça pose problème. Le panneau d'indication que vous voyez là, on l'a ramassé par terre, c'est nous qui l'avons soulevé. C'est dire de manière très claire, ils n'ont même pas de suivi pour tout ce qui tourne autour de la communication visuelle d'un projet qui coûte 6 milliards. Et ce panneau, si vous le laissez, regardez, voilà, le panneau, il est là. Donc, il était comme ça. C'est dire que même pour 6 milliards, ces gens, ils ne sont pas capables. Regardez, li, nous avons 25 hectares, le maïs, nous avons 25 hectares. Vous regardez, ici, nous avons le maïs, 25 hectares. Après, vous avez des métiers, nous avons une installation avec une cuve, pompage endormi, bouillie irriguée, etc. Avec système goutte à goutte, bon, on a défini le côté bleu, nous avons l'or, nous avons 6 milliards. Alors, je crois que Sénégalais, nous sommes quand même en droit dans nos poser quand même les bonnes questions. Comment cet investissement a pu atteindre 6 milliards? Nakala ñu mëna def 6 milliards. Nénañu recruter nañu 400 xalé, manam ñenti téméri nit ci fi bu ngeen xolé xamné fi dara paré wu fi. Wala bok fi amul ñaar fukki nit yo xamné ñu ngi fi liggéey. Man bok gisugum ko. Alors, nañu bayyi di nax sénégalais yi. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'intérêt de l'opération Tibetank. Moy fep fuñu dem wax sénégalais yi nax leen. Def saupoudrage, nous nous sommes sur dal, fait que l'un dem te fofu. Wax len ni li moy deug bi li mom moy li fi am. Kon nañu bayyi di nax sénégalais yi. Dak bu 6 milliards, li kuko xam xamne matut 6 milliards. Fi maïs lañ fi jëmbat. Fi maïs mo fi nek. Maïs mom mo fi nek. Nenañ mom lañ fi jëmbat. 25 hectares. Man daw bayna maïs 7 hectares, si je me rappelle, l'union dépensait grand maxi 3 500 000 là. 3 500 000. L'union dépensait qui 7 hectares, man dao. Ni nous def 25 hectares, à bande ils nous installer ni tu sais ni ginao, nous ne nous def 6 milliards. Te employé nous annoncé 400 personnes. Fille bougain holé ham ne fille niar fou qui nit ne connu fille. Quand nous baye de nach sénégalais. Et lolu nak moy intérêt wu tibou tank biñuy def tibou tek tank lay doon dañ koy tibou ba nopi tek ci tank parce que dañuy léral sénégalais pour ñu xamné c'est ça la réalité. Je vous remercie.